Bienvenue Aliou, Amadou sur Sfaxien.net. On va commencer par la photo qui a fait le buzz jeudi soir. Mamadou avec Tunis SS et son carte Socios dans le stade Taïb Lemhiri. Donc on peut dire une grande histoire entre Sfax et Monsieur Amadou et plus précisément une histoire d'amour avec le CSS. Mamadou. Oui, merci pour l'opportunité que vous me donnez pour m'exprimer devant les Sfaxiens. Je suis très heureux d'être ici avec vous et le public sfaxien. Donc cette soirée a été, c'est une soirée qui reste dans ma mémoire parce que j'ai vécu, j'étais ému, j'étais très content de vivre de tels moments. Et puis à l'extérieur, surtout en Tunisie et spécialement à Sfax. Mamadou, mais pourquoi le CSS et pas un autre club? Oui, merci. Donc, mon premier contact avec la Tunisie, c'était Sfax. Donc, je suis venu personnellement en Tunisie en 2008 et j'ai atterri à Sfax d'abord parce que je suis venu pour participer à une foire, un salon qui a été organisé par la Chambre de commerce qui s'appelle Med Santé. Donc c'est de Med Santé que j'ai pris contact avec Sfax. Je suis venu tout seul. J'ai pris le train de Tunis à Sfax. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré un certain Ahmed Nouri qui m'a vendu Sfax, qui a fait qu'aujourd'hui je suis Sfaxien de cœur. Et j'ai de la famille aujourd'hui à Sfax. La famille Nouri, j'ai un père et une mère et des frères à Sfax. Et ce qui a de spécialisé du CSS tendait aux autres clubs, Mamadou? Bon, Sfax, le club sfaxien, d'abord la région de Sfax. Il y a ce qu'on appelle le régionalisme positif. Ce régionalisme positif, ça m'a beaucoup impressionné parce qu'à travers le frère que j'ai rencontré, Ahmed, j'ai découvert qu'il y a un régionalisme positif qui est un exemple à exporter vers les autres régions d'Afrique. Et je trouve ça de spécial quand c'est Sfax, c'est toute la région, tout le monde est derrière, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est un exemple, un modèle. Sfax, c'est une fierté aujourd'hui pour moi. Et comment vous faites pour suivre les matchs et les nouveautés du club, Mamadou? Bon, aujourd'hui, Dieu merci, grâce au site qui a été créé par les Socios et puis grâce à la télévision aujourd'hui. Donc la Champions League, on regarde en direct. Et les matchs qui se jouent dans ma région, je me déplace pour aller regarder. On sait bien que vous êtes Socios. Vous êtes Socios depuis quand et pourquoi vous avez choisi d'adhérer au Socios CSS? J'ai choisi d'adhérer au Socios CSS parce que d'abord, j'ai trouvé, encore comme j'ai dit, le modèle, la création d'une structure Socios, et qui veut dire que ceux qui aiment le club, et le club CSS aujourd'hui a dépassé la dimension régionale. Ce n'est plus un club régional, c'est un club international à travers ses différents supporters, Socios, supporters, CSistes qui sont à travers le monde. Donc j'ai choisi en Tunisie, mon club c'est le CSS. Donc, vous encouragez tous les supporters à rejoindre Socios? Je pense qu'il serait mieux pour tous les supporters, pour tous les Sfaxiens, d'adhérer à ce club en devenant Socios et en participant activement, financièrement, au développement de ce club-là qui crée de la joie chez les Sfaxiens, de la joie en dehors même de la Tunisie. Aujourd'hui, si le Sfax gagne, il y a des gens qui m'appellent du Mali, du Burkina pour me féliciter, sachant que je suis CSiste. Voilà. Mamadou, si on parle des joueurs du CSS, vous avez suivi plusieurs générations de clubs. Quels sont vos joueurs préférés? Un match inoubliable et qui reste dans votre mémoire. Et finalement, un joueur, vous avez rêvé qu'il jouait au CSS? D'abord, la génération de joueurs, il y a eu beaucoup de joueurs. Que je ne retiens pas exactement les noms que j'aime, mais j'ai retenu les Tenement Ndiaye, les Pop Malik, et récemment les Fakhreddine Ben Youssef, les Ferjan Issassi, les Ndong. Donc aujourd'hui, il y a encore de très grands talents
que j'ai découvert il y a pas longtemps. Hekbi Boren, c'est un futur talent, c'est un joueur à suivre de près. Il y a Monser qui est connu de tous, Maloul. Il y a aussi Mahmoud, le défenseur et puis le gardien. C'est, aujourd'hui, on a une génération de joueurs actuels qui sont très bons et qui peuvent donner la même satisfaction qu'a donné les anciennes générations de joueurs. Et puis, le plus ancien que j'ai aimé, c'est Trabelsi. Voilà. Trabelsi qui a joué à l'équipe nationale. C'est un match inoubliable et qui reste dans votre mémoire. C'est la finale contre Mazembe, c'est la finale, cette finale était inoubliable. Et puis il y a aussi un match qui m'a choqué, le match contre Vita Club où l'espoir était donné, malheureusement on a perdu en demi-finale. Maintenant on va terminer avec une chanson dédiée pour les Cécites, mais Amore par exemple. Oui, Amore, Amore. Mi amore, c'est Sfaxien.